Abricadibroc, faisons le troc. Moi la reine, toi l'esclave. Et toc, c'était une sorcière. Ramasse le bois, ordonna-t-elle. Mystère d'obéir, car il venait d'être ensorcelé. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais raconter un roman. Le titre, c'est Mystère et la sorcière. Alors, Mystère, c'est le nom de la petite fille. Et bien sûr, voici la vieille femme. Une vieille femme, c'est la sorcière avec ses petites bestioles. Abricadibroc, abricadibroc, faisons le troc. Moi la reine, toi l'esclave. Et toc, c'était une sorcière. Ramasse le bois, ordonna-t-elle. Mystère dut obéir car il venait d'être ensorcelé. Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Maintenant, je vais vous raconter un roman. Mystère et la sorcière, d'après Marie-Aude Muraille. Mystère, c'est le nom de la petite fille. Et voici la sorcière avec ses petites bêtes. Ce sont des araignées. Alors, écoutez bien, bien sûr, ce roman. Mystère et la sorcière. Après une bonne heure de marche, la petite fille se trouva nez à nez avec une vieille femme aux yeux méchants qui ramassait du bois. La vieille femme laissa tomber son fagot sur le sol et lançant ses bras en avant, elle s'écria. Abricadibroc, abricadibroc. Faisons le troc, moi la reine, toi l'esclave, et toc. C'était une sorcière. Abricadibroc, faisons le troc, moi la reine, toi l'esclave, et toc. Ramasse le bois, ordonna-t-elle. Mystère d'obéir, car il venait d'être ensorcelé. Une fois dans la maison, Mystère, la petite fille, dut ranger les vêtements qui traînaient, laver des pilules d'assiettes et chasser des dizaines d'araignées. La sorcière était toujours dans son dos, la frappant avec une baguette pour qu'elle se presse. « Pourquoi êtes-vous si méchante ?» lui demanda Mystère avant d'aller se coucher. Abricadibroc, abricadibroc, j'ai trop le trac. Abricadibruc, laisse ce truc. Vous ne savez dire que des formules magiques. Au début, c'était abricadibroc, faisons le troc. L'autre, c'est... Oui, c'est ça. Abricadibrac. J'ai trop le trac. Abricadibruc. Laisse ce truc. Alors, dis quoi? S'écria un sorcier. Des confidences, madame la sotte. Ce sont des secrets et on les dit à sa meilleure copine. Les sorcières adorent les secrets. Dis-moi une confidence, supplia la vieille. Je vous en dirai, promis la petite fille. Mais quand nous serons copines,
C'est ainsi que Mystère devint la copine de la sorcière. Alors, la mystère devient la copine de la mystère et pour qu'il lui raconte une confidence. D'accord? Alors, c'est un très bon roman de mystère d'après Marie-Aude Muraille. Je viens de vous raconter un petit aperçu d'un roman, Mystère et la sorcière, écrite par Marie-Aude Muraille. Il s'agit ici de deux personnages, la sorcière et la petite fille qui s'appelle Mystère. Voilà, c'est tout pour le moment.